Izzy, fallait juste un peu d'air. Il est réveillé. C'est donc toi, ce faux berger, qui fait autant parler de lui. Tu as semé le chaos à la tombola. Daisy Fitzroy ? C'est bien moi. J'ai rien contre vous, ou votre vox populi. Mais vous essayez de me prendre mon dirigeable, et j'en ai particulièrement besoin. Ah oui ? J'aurais pourtant juré que c'était celui de Comstock. Écoutez, j'ai pas envie de me battre. Tout le monde se bat, Tewit. La seule question, c'est... pour qui tu te bats ? Comstock est le dieu de l'homme blanc, de l'homme riche, de l'homme impitoyable. Mais si ta foi va au peuple, rejoins donc la vox populi. Si elle va aux causes justes, rejoins Je la vox populi. Veux mon dirigeable. La vox populi te le rendra. Mais d'abord, tu dois nous aider. Il y a un armurier à Finton qui peut fournir du matériel à notre cause. Va chercher nos armes et nous te rendrons ton dirigeable. Je ferais mieux de trouver Elisabeth avant qu'elle file d'ici. La patte qui revient le plus souvent chez l'ouvrier, c'est que sa vie ne lui convient pas. Mais dis-moi, pourquoi vous tourmentez? Jamais le bœuf ne sera l'égal du lion. Pourquoi s'inquiéter de toutes ces responsabilités? Faites votre travail, mangez bien et couchez-vous. Cette simplicité est sublime. Dégage de là. Tu sais ce qu'on fait aux clandestines comme toi? Vaut mieux pas que tu le saches. Hé hey hey Laissez-moi. Attends une seconde. Laissez-moi tranquille. Je veux juste te parler. Elisabeth ! Laissez-moi ! Attends-moi une minute ! Tranquille ! Je suis pas en colère ! Attention ! Poussez-vous ! Allez ! Reculez ! C'est pas vrai ! Je refuse de vous suivre ! N'entre pas là ! Je n'ai pas besoin de quelqu'un comme vous ! C'est... Non, non, non ! Non ! Il doit y avoir une autre entrée. Ah!
N'essayez surtout pas de me suivre, monsieur DeWitt. Elisabeth, je me suis débrouillé pour qu'on nous rende le dirigeable. Vous pouvez nous faire partir. Exact. Tout ce qu'il me faut, ce sont des armes pour toute une armée de révoltés. Et où trouverez-vous toutes ces armes? Auprès de l'un de nos innombrables alliés? Un armurier de Finkton. Ça devrait être les doigts dans le nez. Qu'est-ce que t'en dis? Tu me suis? Vous êtes un menteur, monsieur DeWitt. Et un voyou. Mais si je veux voir Paris, je n'ai pas d'autre choix. Ne vous habituez pas trop à ma compagnie, monsieur DeWitt. Je ne fais que me servir de vous, rien de plus. Parfaitement farfelu. Des congés payés. Des journées de 8 heures. Des rémunérations.
votre armurier. Qui vous a demandé de le trouver? Daisy Fitzroy. Elle est une grande héroïne, ou la pierre des crapules, selon la personne qui en parle. Tant qu'elle me rend ce dirigeable, elle peut bien être reine des Pays-Bas. Bienvenue aux ressources humaines de Vincent de Freeze. Aucun poste n'est vacant. Vous entendez? On n'embauche pas. Comment va-t-on s'introduire à Finton? Illégalement. Cherchons une deuxième entrée. J'ai besoin de ton aide pour cette serrure. Allez-y. Par ici, un ascenseur de service. Il nous mènera à Finton. Et nous fera tuer pour le même prix. Qui est là? Booker, le casier de Slate. Il travaillait ici, mais je... C'est le journal de ma mère. Où Slate l'a-t-il trouvé? Mon mari prétend que l'enfant serait né de la volonté divine. Je suis croyante, mais je ne suis pas née d'hier. Son engeance ne grandira pas sous ce toit. Ma mère... C'est elle qui m'a fait enfermer. Elisabeth. Je veux juste m'enfuir de cette ville. Je vous en prie. Bonjour. Mon nom est Jeremiah Fink. Et je veux partager mes préceptes avec vous. Quelle est la créature la plus admirable de toute la création de notre Seigneur? Mais l'abeille, bien sûr! Avez-vous jamais vu une abeille chômée? Une abeille accepter un arrêt maladie? Eh bien, mais la réponse est non! Alors, faites l'abeille! Faites l'abeille! Et si vous... Allô? Monsieur DeWitt? Oui? Monsieur Fink souhaiterait vous parler. Que se passe-t-il? DeWitt? C'est Fink. Bon, écoutez. Après analyse, je peux dire que vous êtes de loin notre meilleur candidat. Le meilleur. Bien. Mon associé, Monsieur Flambeau, sera là pour vous apporter son aide. Qu'est-ce que c'était que ça? J'en ai aucune idée. Bizarrement... Il a l'air ravi de vous rencontrer. Il a une haute idée de lui-même. Certains viennent me dire, Fink, pourquoi sommes-nous payés en jetons uniquement valables à la boutique interne? Ma foi, c'est ça simple. Je refuse que de braves gens soient dépouillés par des commerçants peu scrupuleux. La boutique interne de Fink offre des produits Fink à des prix spécialement adaptés à nos ouvriers. Qui revient le plus souvent chez l'ouvrier? Monsieur DeWitt, bienvenue à Finton. Vous trouverez de quoi vous approvisionner pour rendre votre visite plus agréable. Tourmenté. Jamais le bœuf ne sera à l'égal du lion. Que peut bien nous vouloir, monsieur Fink? Pardonnez-moi,
Mais Monsieur Fink ne porte d'intérêt qu'à ce monsieur. Mais pourquoi ? Désolée, mademoiselle. Toute question concernant la candidature de ce monsieur est à adresser directement à Monsieur Fink. Ça ne vous paraît pas bizarre, tout ça ? Personnellement, je trouve ça très bizarre. Alors, on va chez l'armurier ou on cherche du matériel dans l'horlogerie ? On y est, Booker. Je ressens le besoin de parler à ce soi-disant faux berger qui provoque tant de problèmes. Nous avons assez d'ennuis sans que cet imbécile vienne semer la zizanie en ville et faire accuser la Vox Populi. Enfin, si jamais il n'est pas hostile. C'est peut-être bien l'homme qu'il nous faut pour nos tracas les plus urgents. Gautama. Qui ? Le fondateur du bouddhisme. Il a passé 49 jours sous l'arbre de la Bodhi jusqu'à l'illumination. Quelque chose me dit que Comstock n'apprécie pas trop qu'on ait d'autres idoles que lui. Bonjour ! Eh oh ! Monsieur Lin ? Chen Lin ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un a tout saccagé. Les forces de police du coin, sûrement. Vous entendez ? Il y a quelqu'un en bas. Excusez-moi. Madame, désolé de vous déranger, je... Nous cherchons Monsieur Lin. Monsieur Chen Lin. Booker. Monsieur Lin, pas là. Lui, parti. Parti ? Emmené. Unité volante. Priez Bouddha, jour et nuit. Priez, ramenez Marie. Ramenez Améline. Où l'ont-ils emmené ? Au club. Tout le monde emmené au club, Bagatelle. Il est où, ce club ? Madame, s'il vous plaît, où est le club ? Booker, nous trouverons. Laissez-la tranquille. Pourquoi Vox Populi pas aider Chen Lin ? Pourquoi Daisy Fitzroy rien faire ? C'est quoi l'unité volante ? Des flics. Du genre à piétiner ce pauvre Lin en lui demandant quels sont ses liens avec Daisy Fitzroy. Ce n'est pas justement elle qui nous envoie ?
Ouais, c'est bien elle, en effet. Bon, partons à la recherche de ce club magasin. On y est, Monsieur DeWitt. Je suis désolée pour ce que j'ai dit. Trouvons Chen Lin et filons loin d'ici. Allons, allons! Je vous demande de finir ce que vous avez commencé, DeWitt. Il ne faudrait pas décevoir les autres candidats. Le premier postulant est un vétéran de PK. Et qu'est-ce qu'on dit déjà sur les vieux soldats? Honnêtement, vous allez gagner. Il a une certaine expérience avec les explosifs. C'est le seul homme que je connaisse qui n'ait pas laissé un bras à l'ébanier. Pour l'instant.
plat de résistance. Votre grand rival est inconnable en matière d'automates. Il veut nous faire installer des machines partout. Je veux bien lui reconnaître une chose. Ça ferait moins de bouche à nourrir. Voilà pour vous. Le Seigneur juge, et je suis sa femme. On récolte ce que l'on sème. Réjouissez-vous, car vous ne sentirez pas la mort. Vous êtes une vraie terreur, mais oui, c'est une terreur. Petit, je dois dire que je rencontre facile. Je cherche toujours. Génial! Mais rien d'autre! Félicitations, DeWitt! Vous savez, quand on m'a proposé votre nom, je n'étais pas sûr que vous seriez à la hauteur. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'avais tort! Votre offre ne m'intéresse pas, Fink. Allons! Je sais très bien quelle mission vous a confiée Fitzroy. Son offre vous semble vraiment plus intéressante que la mienne? Vous savez combien de gens tueraient pour devenir directeur de la sécurité? Vous avez la tête dure, monsieur DeWitt. La tête dure. Mais vous pouvez me croire, j'obtiendrai ce que je veux. Booker, il y a une porte ici. Je crois que c'est pour descendre. Allons, Franny. Tu es une femme d'aujourd'hui. De 1912. On pourrait être en 2012, qu'un type comme toi ne m'intéresserait toujours pas. Venez vous battre! Non! Regardez, Chen Lin, cellule numéro 9. Une serrure à crocheter. Je vais essayer. Je travaillais pour des gens comme Fink. Vraiment? J'étais chez Pinkerton. On faisait appel à nous dès que les ouvriers s'agitaient. Pour faire quoi? Pour prouver que les grèves ne servaient à rien. De la pure folie. Vous les frappiez. Voilà ce que j'en pense. Des fois, on a bien besoin de gens comme Fitzroy. Pourquoi? Contre les gens comme moi. Voilà qui est fait. Il n'y a pas de toilette ici. Rien ne peut m'arrêter. Qu'ont pu faire ces gens pour mériter d'être enfermés dans un endroit pareil? Fink n'a pas besoin de raison. Rapprochez-vous de lui! Qu'est-ce qu'il voulait? Je vais tuer! Non !
c'est verrouillé. Ça a l'air assez facile. On y est, c'est bien ça? Ouais, numéro 9. Voilà. DeWitt, vous êtes un lion. Mais vous ne pouvez pas me reprocher de protéger encore mes de intérêts, l'argent. Non? Je sais que Fitzroy a fait appel à vous. Mais je crois bien que votre mission pour elle a été annulée. Les lions restent entre lions, DeWitt. Pas de Yen chez eux. Qu'il parlait. On va devoir trouver quelqu'un d'autre pour faire ses armes. Non. Il est mort, Elisabeth. Il est... mort. Hein? Mais qu'est-ce que... Moi, je vois... face. Moi, je vois... pile. C'est une question de point de vue. Pourquoi est-ce que vous nous suivez? Qui vous envoie? Comstock? Qu'est-ce que vous qu'est-ce voulez... Qu'est-ce que tu vois là, de cet angle? Mort. Écoutez... Et de cet angle? Vivant. Booker... Chen Lin. Tout ça devient vraiment très gênant. Il va falloir le pousser un peu. Nous pourrions lui expliquer, je suppose. Plus de cadavres. Quel cadavre? C'est une autre Columbia. Une version différente. La même pièce. Sous un angle différent. Face. Pile. Mort. Vivant. Il faut qu'on rejoigne cette autre Columbia, mais... Et comment? C'est un peu comme la bicyclette. C'est un truc qui ne s'oublie pas. Il suffit juste de se remettre en selle. Si nous entrons dans cette faille, je ne pense pas que je pourrais nous faire revenir. Vous êtes sûr d'être prêt? Bon, vous voilà. Il n'y a plus de sang. Et pas de corps. C'est un autre monde, Booker. Une autre Columbia. Je pense pas que notre armurier sera la seule différence dans cette Columbia. Je ne comprends pas comment Chen Lin peut être vivant. Dans ce monde, personne ne l'a jamais tué. Vous comprendrez pourquoi, je suppose. Je pense pas que tu puisses changer quelque chose comme ça, Sangs. C'est ça. Je les ai tués. Ils étaient morts. Pas dans ce monde. Cœur leur nez. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau? En tant que directeur de la sécurité... Oh. Je vous conseille de venir comment ces jours ont pu passer. Et surtout, ce qu'il faut faire au sous-sol. C'est lui qui était pendu contre le mur. Dans l'autre monde? Toute cette histoire me colle mal au crâne. Oh.
Vous entendez quelque chose? Hein? Pas de machine. Pas d'outils. Allons voir cet armurier. Il est peut-être en haut. Booker, regardez. L'hôtel, c'est une statue de Comstock. Monsieur Lin? Chen Lin? Pardon, Chen Lin? Qui êtes-vous? Parlez! Plus fort! Machine faire beaucoup de bruit, moi pas entendre! Je suis Booker DeWitt. Reculez! Machine très dangereuse! Attendez en bas avec Madame Lin! Daisy Fitzroy nous envoie. On est venu chercher les armes que vous lui avez promises. Machine dangereuse! Idiot, rien à faire ici! Vous pas tenir à votre tête? Monsieur Lin, en c'est... bas! Mais qu'est-ce qui lui prend? On se souvient de l'avoir vu mort. Qui sait? Peut-être qu'il s'en souvient aussi. Vous vous mettez à sa place? Pas vraiment. Soignez mon mari. Calmez son esprit. Soulagez son âme. Excusez-moi, je cherche une Madame Lin. Je suis Madame Lin. Non, je cherche une petite femme asiatique. Elle était... Booker. C'est elle, ils ont Madame pris Lin. Ses outils. Qu'est-ce qu'il va devenir? Oui, votre mari a l'air un peu perdu. S'il pouvait travailler, peut-être... En travaillant, il... Madame Lin, pouvez-vous me dire qui a pris ses outils? La police. Elle les a confisqués. Ils sont à la fourrière de Shantytown. C'est bien vrai. Ces outils pourraient lui rendre l'esprit. Qu'importe. On n'aura jamais nos armes si Chen Lin n'a pas ses outils. Allons à Shantytown. Vous avez vu? Chen Lin saignait du nez. C'est la mode ces temps-ci. Cette faille. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée. Elle ne fait que semer le chaos. Ne lui faites pas confiance. La hyène ne vous laissera rien d'autre que les coups de son rire. Ils sont là. Trouver quelque chose. Allez, approchez. Allez-y, vous pouvez me poser la question. Quelle question? Pour mon doigt. Je... Ce n'est pas grave. C'est autant un mystère pour moi que ça peut l'être pour vous. Songbird sait peut-être, mais il est muet. Désolé. De quoi? Je peux porter un dé élégant pour cacher mon atroce difformité. Il paraît que c'est à la mode à Paris. Vous avez besoin de ça! Ouvre-la! Voilà! Maintenant. Très bien.
Attrapé. Je vais vous attendre ici. Allez-y sans moi. Là, celle-là. C'est fait. Je devais me prendre pour un monstre. Une fille qui peut ramener les morts à la vie, qui a pour seul ami un drôle d'oiseau géant. Vous devez me trouver ridicule. Tu t'es fait avoir, c'est tout. Je refuse de retourner dans cette tour, quoi qu'il puisse arriver. Ils feront tout pour te retrouver. Pourquoi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Tu leur fais peur. Bien. C'est bien ça qu'ils veulent, mes frères. Vous affamer jusqu'à vous faire supplier. Vous laisser dans l'ignorance pour vous empêcher de trouver des solutions à vos problèmes. Ces gens sont comme ça à cause de Fink. Daisy a peut-être raison. On devrait peut-être lui faire payer tout ça. Pas avant qu'elle nous paie. On prend les armes, puis le dirigeable. Cogne plus fort! Cogne plus fort que ça! Allez, il y a une faille là-bas. J'ai faim, moi, Bill! Vas-y! Maintenant! Compris. Laissez passer! Once or twice. Oh, oui, vous qu'on meurt, c'est pareil. Je ne comprends pas. Pourquoi on traite certains comme des hommes? Et d'autres, comme des animaux. Ça arrive aussi en bas, c'est pas l'apanage de Columbia. Comme à Wounded Knee. Ouais, comme à Wounded Knee. Booker, voilà la fourrière. On va devoir affronter une armée pour trouver ses outils. Que l'armurier fabriquait des armes pour la Vox Populi.
Elisabeth. Compris. Merci beaucoup. Vas-y. Les idées sont une évidence. J'ai des munitions. Je vis. Car mon œil est celui du monde. J'ai trouvé ces cristaux. C'est verrouillé. Ça ne prendra qu'une minute. C'est prêt. Ouvre-la. Je m'en occupe. Vous ne sentirez pas la mort.
des outils, les voilà. Rapportons-les à la Vox Populi, et on aura notre dirigeable. J'ai une serrure à crocheter. Franchement, vous n'avez rien de plus difficile. C'est fait. Qui aide-t-on vraiment en fournissant des armes à la Vox Populi? Ça nous aide, nous. Daisy peut changer les choses, non? Améliorer la vie de ces pauvres gens. Oui. Je sais pas comment on va faire pour transporter tout ça jusqu'à la boutique. On aurait dû réfléchir un peu plus. Qu'est-ce que c'est? On dirait une faille vers une autre version de cette pièce. Une version sans aucun outil. Alors si les outils n'y sont pas... C'est qu'ils doivent être à la boutique. Booker, si nous entrons dans cette faille, je ne crois pas que nous pourrons en revenir. Êtes-vous sûr de vouloir traverser? Vas-y. Retournons voir l'armurier et finir notre marché. J'espère bien pouvoir filer d'ici en dirigeable et au plus vite. Booker, si la Vox Populi obtient ses armes, ce sera une véritable révolution populaire. Ces gens auront une vie meilleure. Ouais. Ces gens. Les choses peuvent changer et nous pouvons les aider. Mais je ne veux pas les aider, moi. Dès qu'on a notre dirigeable, on fiche le camp d'ici.